Voilà, c'est parti, un kilomètre de l'arrivée maintenant pour le quintuple champion du monde. Ah, il ne peut plus être battu, semble-t-il maintenant. Mathieu Van Der Poel aura signé un exploit absolument phénoménal dans l'épreuve aujourd'hui. Le voilà, le champion des Pays-Bas, quintuple champion du monde, quatre fois champion d'Europe, double vainqueur du Tour de la Mayenne. Mathieu Van Der Poel est en train de signer un exploit de haute volée et mérite évidemment l'ovation que va lui réserver le public ici sur la ligne d'arrivée. Il est à 600 mètres de l'arrivée maintenant. Mathieu Van Der Poel va être le vainqueur de l'épreuve. À quel exploit a réalisé aujourd'hui le champion des Pays-Bas. Mathieu Van Der Poel, quintuple champion du monde, aura véritablement séduit tout le public et impressionné ses adversaires. Il est toujours en tête. La dernière ligne droite et le peloton qui apparaît est le bonheur de Mathieu Van Der Poel qui va être le vainqueur et quel vainqueur de l'épreuve du jour à le bonheur, l'exploit réalisé par l'exploit réalisé et pour la deuxième place qui va diminuer, semble-t-il, on va avoir la confirmation de cela. Quel exploit de Mathieu Van Der Poel. On a vécu des gros moments de vélo dans notre carrière. Et là, donc, professionnel, voilà, donc, Dupont qui le félicite. Quel numéro de Mathieu Van Der Poel. La vérité, on se souviendra longtemps, très longtemps, de ce Grand Prix de Nona Porte des Hainauts 2019.